Et salut à toutes et à tous les gamers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui les amis pour le deuxième épisode sur Alcadia. Et puis je suis en compagnie de Bull et puis Démon. Comment allez-vous les copines? Ok, aucun d'entre eux peut parler en ce moment je crois. Et puis en le fond les amis, on va se retrouver aujourd'hui pour un petit peu de blabla. Puis un petit peu de minage, pourquoi pas. Fait que les amis, aujourd'hui j'ai besoin de votre aide parce que je suis nouveau sur le serveur, la plupart d'entre vous le savent, vous le saviez, bon, enfin bon. Et puis j'aimerais savoir le rythme d'épisode que vous voulez par semaine et ce que vous voulez dans le fond. Alors les deux premiers épisodes vont être postés par un intervalle de 2 jours. En gros, il y aura un jour qui va séparer les deux épisodes pour les premiers. Mais le reste des épisodes, les amis, j'aimerais savoir le rythme d'épisode que vous voulez, en gros. Et puis, ce que vous voulez voir dans les séries. Est-ce que vous voulez me voir construire ma base? Est-ce que vous voulez me voir PVP? Vraiment, ce que vous voulez. Vous postez un commentaire. Et puis, les meilleures idées, ben, dans le fond, je vais les prendre et puis je vais les faire. En gros, comme ça, les amis, comme ça va être votre chaîne et ma chaîne YouTube, ma série, votre série aussi. So, tout le monde va pouvoir s'amuser. C'est sûr que pour le début, les premiers épisodes, le premier peut-être jusqu'à 5, les amis, peut-être qu'on va être obligé de faire vraiment se la jouer en mode YOLO et puis on est obligé de faire la base. Parce que c'est comme ça qu'on fait quand on débute un serveur, on n'a pas le choix. Fait que là, on mine le psy, moi, Démon et Bull. Ensuite, bien entendu, il y aura Tweedy qui va se rejoindre à nous, tout le monde, tout plein de monde. Et puis, qu'est-ce que vous voulez me voir faire, en gros? C'est ce que je vous demande. Ça sert à rien que je m'éternise sur ce sujet. En gros, est-ce que vous voulez que je crée une île Démon, j'espère que t'es pas mort avec les deux stacks. T'es vraiment le pire Kikou. Sincèrement, t'es vraiment un Kikou. Enfin bon les amis. C'est sûr, j'avais au début peut-être créé une base full protect, puis ensuite essayer de. Comment on appelle ça? Colin, j'ai oublié le nom. Créer une île paradisiaque au-dessous, ou vraiment, je sais vraiment pas. Je suis nouveau sur serveur, alors je sais vraiment pas qu'est-ce qui est cool, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que vous aimez. Fait que dites-le moi, les amis, ça peut tout le temps être intéressant. Je crois que on a déjà des petites idées, mais bon, on n'est pas encore sûr à 100% de ce qu'on veut faire, alors c'est le moment de nous aider. Et puis, les meilleures idées, dans le fond, les amis, ils vont être sélectionnés et mis dans la vidéo. Alors, si tu veux un pseudo YouTube avec ton prénom et nom de famille, je vais pas sélectionner ton. Je vais peut-être sélectionner ton idée, mais je vais pas t'afficher. En gros, je veux pas que personne se fasse insulter ou quoi que ce soit, mes abonnés. Alors, je vais vraiment cacher vos noms. Et ceux qui ont des pseudos Minecraft, exemple, t'as une chaîne YouTube, ben là, je vais te la mettre. Parce que si t'as une chaîne YouTube, ben, normalement, t'es là pour afficher. Tu peux te faire afficher vu que t'es YouTuber. Et puis, voilà. Alors, les amis, je suis pas encore partenaire. Je sais pas si je vais passer partenaire. Je sais vraiment pas. Je crois que c'est combien? C'est genre 2000? Je me souviens plus c'est combien. On m'avait dit vite fait tantôt, mais je me souviens plus. 600. Ok. 600 abonnés. On les a largement, les amis. Je crois qu'on est rendu à près de 1000, 1500, quelque chose du genre. Fait que, ouais, on va pouvoir être partenaire. C'est cool. J'espère que ça me donne quelque chose de bon. Et puis, les amis, j'ai acheté aussi des kits. En gros, j'ai acheté kit Droob. J'ai acheté le kit. C'est quoi le boule, le kit que je t'ai acheté? Je me souviens plus. Minerai et puis l'autre, c'est quoi que j'ai acheté? C'est quoi que t'as acheté, Démon? Ok, et puis Sul a acheté le constructeur. Alors comme ça nous donne quand même pas mal de variété. Et puis voilà, je trouvais que c'était bien. Pour commencer, on avait besoin. Alors vous voyez, il vient d'acheter le kit du raid. Une grosse dédicace à lui, c'est un abonné à moi. Il m'a reconnu. Il c'était le premier abonné à me reconnaître, les amis, avec Plasma. Il s'appelle Plasma quelque chose. C'est les deux premiers à vraiment m'avoir dit hey coucou, je m'appelle, hey coucou, je sais que t'es à compte, hey coucou, je sais que t'es à compte, etc. Fait que voilà. Ça m'a fait plaisir parce que tu sais, même si je joue pas sur ce serveur, je jouais pas sur ce serveur-là, on m'a quand même reconnu. Fait qu'une grosse dédicace à ces deux-là. Puis voilà les amis. À partir de maintenant, vous savez que je suis sur ce serveur-là. Maintenant, il y a beaucoup de joueurs qui vont se connecter au serveur. Alors les gens, si bien entendu, vous avez écouté ma dernière vidéo, j'en suis certain. J'ai dit que je recrutais pas. Je recrute toujours pas les amis. Je vais pas recruter. C'est sûr et certain. Je recrutais pas n'importe qui vu qu'on va vraiment jouer avec le FOM. C'est vraiment pas comme les autres serveurs. On va jouer avec le FOM. Alors je vais vraiment pas recruter n'importe qui. À part si t'as un talent spécial et puis qu'on te connaît sur TS ou quoi que ce soit. Alors les amis, bien entendu, on a un TS spécial pour notre faction. Le TS de la Bifri, c'est le TS en fait de mon serveur perso qui est
totalement hors de ce serveur-là. En fond, c'est vraiment pas pour faire compétition. Je suis vraiment ici pour essayer de leur apporter une visibilité sur YouTube parce que j'aime le concept de leur serveur super bien. J'adore leur serveur, sincèrement. Le serveur est bien fait. Je veux pas vraiment faire de compétition avec eux, etc., etc. Je suis vraiment là pour les aider, dans le fond. Je vois pas le but que ça m'apporterait vraiment. Ok, j'étais sûr que tu n'aimes me troll. Je vois pas vraiment le but que ça m'apporterait en vraiment venir juste niaiser ici. Je suis vraiment ici pour jouer sérieusement, créer une série. Je vais vraiment essayer d'avoir environ 10 à 15 av... bah. Je vais essayer de faire ma série avec mes épisodes comme d'hab, comme je fais sur pas mal tous les serveurs, les amis. Pour ceux qui me connaissent pas, j'ai fait sur Horizon Craft 50 épisodes. Et j'ai fait sur Iceworld environ 30 épisodes. Je suis vraiment quelqu'un qui va jusqu'au bout de ses trucs. J'ai fait cette série ZK Games, j'étais jusqu'à environ 17-18 épisodes avant de me tanner. Ensuite, j'ai fait pas mal de séries pour une équipe, j'ai quand même fait pas mal aussi. Alors voilà, les amis. Si vous voulez voir mon pedigree ou quoi que ce soit, dans le fond, mon pedigree, qu'est-ce que c'est un pedigree? Dans le fond, c'est mes expériences. Ben, vous pouvez tout simplement aller directement voir sur ma chaîne mes listes de séries à partir de ma saison 1 de PvP Faction jusqu'à celle d'aujourd'hui qui est la dernière, la numéro 6 ou 7. Je suis pas certain, on va voir avec ça. Et puis voilà. Alors, je crois que j'ai pas mal tout expliqué, qu'est-ce que je voulais vous expliquer. Je vais continuer à prendre le psy, puis je voulais vous parler dans le fond de qu'est-ce que vous voulez voir sur ma chaîne en ce moment. Alors, je vais faire du PvP Faction, mais je vais aussi innover dans le fond. Vous allez avoir Iceworld encore un petit peu, mais Iceworld, les amis, je rappelle que c'est un serveur vraiment pas comme celui-ci où on se trouve en ce moment. C'est vraiment un serveur différent. Il y aura un reset bientôt. Je vais recommencer à l'heure du reset. Je vais essayer de me rendre jusqu'à environ 50-100 épisodes, comme je l'avais prévu pour Horizon Craft. Et puis, ben voilà. Après ma série Iceworld, ben il y a pas vraiment de fin. Wizcraft est terminé. Il y a aussi l'autre serveur que je jouais. En gros, les The Walls c'est terminé, ZK Games c'est terminé. Fait que voilà, je sais pas qu'est-ce que vous voulez que je vous fasse, les amis. Il y aura ma série sur Sugarfight qui va prendre une nouvelle ampleur. Ça va vraiment être différent, ça va être vraiment autre chose totalement, vous allez voir. Et puis voilà, les amis, en gros. Je vais essayer de vous proposer le max d'épisodes que vous voulez sur ce serveur-là. Oh non, mon pseudo! Putain, je vais vraiment vous proposer le max d'épisodes que vous voulez. Exemple, vous voulez un épisode par jour, je vais essayer de vous en proposer. Faire des semaines spéciales, un épisode. Je vais essayer vraiment de faire ce que vous voulez, les amis. C'est vraiment notre chaîne YouTube, à vous et à moi. Or, je suis là vraiment pour vous aider, puis on est vraiment là pour s'amuser. Fait que c'est le but de la série. Fait que voilà, j'ai pas vraiment d'autre chose à dire, les amis. Je vais vous laisser avec peut-être une dernière question. Ben, je ne savais pas de la fin de l'épisode, inquiétez-vous pas les amis, je vais continuer à miner le psy, on va aller à la base, puis on va continuer jusque pour le moment. Ça sert à rien de vous montrer moi quand que je mine le psy, c'est un peu moche. Mais ce que je voulais vous dire d'autre aussi, c'était que j'ai vu... Ah oh, oui, c'est ça! J'ai vu les amis que vous étiez nombreux à avoir apprécié le départ de cette nouvelle truc. Alors j'ai décidé de vous donner une chance, et puis je vais essayer de vous donner des défis en gros. Moi, vous allez me donner des défis dans le fond. Qu'est-ce que vous voulez que combien d'épisodes que je voulais que je fasse par semaine? Ce qui est un gros défi pour moi parce que les amis, quand même, 3 épisodes par semaine, c'est pas ça prend du temps de tournage, etc. Et puis pendant ce temps-là, moi je vais vous donner un défi. Alors, faut qu'on atteigne sur les vidéos au moins 30 pouces bleus sur chaque épisode. Sur chaque épisode que je vais faire, faut attendre au moins minimum les 30 pouces bleus. Je crois, les amis, que c'est un défi assez raisonnable pour 30 épisodes pour Arcadia, voilà. Excuse-moi, c'est Bull qui a parlé. Alors, c'est quand même un bon défi de 30 pouces bleus. C'est quand même assez bien, les amis, je trouve. Alors, c'est un petit défi que je veux vous lancer. Et puis, si on l'atteint, ben, vous aurez des cadeaux, les amis. Peut-être des petits giveaways, des petits trucs. Comme ça, tant de fois, de temps en temps. Alors, voilà, on va se retrouver, les amis, tout de suite après, quand j'ai fini de miner l'obsidienne. Allez, à tout de suite. Et hop, les gens se reprennent. Alors, comme une merde, je suis mort dans la lave. Alors, ben, voilà. Non, c'est pas drôle, man. Je suis mort dans la lave, regardez, je vais vous montrer tout ce que j'avais miné. J'avais 10 stacks d'obsidienne, sans mentir, parce que lui m'en avait donné 3 et moi j'en avais. Alors vous vous souvenez, l'obsidienne commençait à peu près ici. Alors j'ai miné tout ça, tous les blocs ici qui remplissaient, j'ai tout miné, tout. Ensuite, rendu ici, je me suis fait une source d'eau infinie vu que j'avais perdu mon seau d'eau. Et là, je suis mort dans ce trou-là, ben dans le fond, j'ai freeze là. J'étais ici sur le bord, j'ai crash, puis ben je suis mort dans la lave, so YOLO. Et puis après ça, après j'avais miné tout ça avant d'aller par là, j'avais laissé un seau d'eau là au cas où. C'est comme s'il y avait un problème, je cassais juste le bloc avec ma pioche, puis boum, le tour était joué. Enfin bon, le voilà, c'est un peu chiant, mais bon. C'est comme ça, fait que je vais essayer d'aller à la météorite. Et puis, on se retrouve là-bas, les amis, à la météorite. Allez, à tout de suite.
Et hey, hop les gamers, on se reprend. Alors on se retrouve aujourd'hui, ben, dans le fond, pour la fin de l'épisode. Alors bien oui, comme vous l'avez vu dans le dernier épisode, les amis, c'était un peu de la merde. J'ai un peu fail sur la fin en allant chercher l'obsidienne, etc. Ensuite, j'ai décidé d'aller à la météorite. Bon, ça a pas très été concluant, les amis. On n'a pas réussi à s'y rendre, on n'a pas trouvé. On sait pas encore comment les systèmes de météorite marchent, mais on va sûrement trouver un jour. Alors je vous invite à aller voir un bonus, les amis. Qui est sur ma chaîne bonus, dans le fond, la chaîne avec où ce que j'y ai pas monétisé, dans le fond. J'ai mis ce CD-là, puis on a commencé à danser, puis commencé à faire des trucs un peu stupides. Je vous invite à vraiment aller voir la vidéo, les amis. Pour cette vidéo-ci, en fond, pour la fin de l'épisode, je suis avec Tweety. Comment vas-tu, Tweety? Bien, toi? Ça va très bien. Alors, Tweety qui a décidé de nous rejoindre dans la faction, les amis, si vous ne l'avez pas compris. Tweety qui s'appelle Tweety GFX sur le jeu. Alors, on va juste se prendre un petit stuff, je crois. Je vais faire mon kit Alcazien, et puis je vais vraiment y aller en mode YOLO. Miner de l'obsidienne, dans le fond, les amis. On n'a pas trop le choix. On n'a plus d'obsidienne. Puis on en a vachement besoin pour faire notre base. Je suis mort avec 10 stacks d'obsi. J'espère vraiment pouvoir les récupérer. Ça serait vraiment, genre, fort sympathique du staff de pouvoir me les redonner. Mais bon, je crois pas qu'ils vont vouloir, mais on verra bien en temps et lieu. Je vous explique en gros qu'est-ce qui est arrivé si je voulais pas les expliquer. En gros, j'étais en train de miner. Ici, en plein ce bloc-là, ok. J'étais à peu près. Ouais, j'étais ici. Et là, je minais ce bloc-là. C'est un bloc-là qui est juste ici, les amis, là. Celui qui était censé au-dessus de la lave. Ensuite, j'ai crash. Alors, j'ai décidé de dégoroco. Je me suis reconnecté. J'ai été en moitié dans le bloc, dont la tête dans la lave. Alors, ben, quand je me suis reconnecté, j'avais que le bas du corps dans la lave. Et puis, ben, mon stuff a cramé là-dedans, en tout cas, là. C'est pas. Je sais pas comment vous expliquer, les amis, mais bon, on doit tout recommencer. C'est dommage parce que j'avais tout miné ça ici, les amis. Ça avait donné à peu près 10 stacks d'obsidienne. On aurait pu complètement finir la base. Ça aurait été waouh. Mais bon. On a fail un peu, c'est pas grave les amis. Ben en fait, j'ai pas fail, ça a le bug, so. Voilà, enfin bon, c'est pas très grave. En espérant qu'ils puissent nous rembourser, sinon, ben c'est pas grave, je vais la reminer, puis ben c'est comme ça, tu sais les amis, ça arrive toujours dans les aventures, des mésaventures. So, ouais. Ça me dérangerait pas de pouvoir avoir l'obsidienne, je veux dire, je trouverais un max de temps, je pourrais vous proposer quelque chose de nouveau. Mais bon, on va y aller encore les amis, encore un petit peu minage de psy. Et puis je vais vous reprendre après, à là tout de suite. Que je suis cave, j'ai perdu un bloc de psy. Voilà, comme ça. Alors, on se retrouve après là-dessus. Et hop, les gens se retrouvent. Alors, j'ai trouvé. J'aurais miné de l'obsidienne. Alors, vous voyez, j'ai déjà rendu à peu près 4 stacks et 28. Et puis, j'ai vu qu'il y avait de la moitié comme au. J'étais justement sur l'obsidienne, juste là. Je vais vous montrer tout de suite après. Et j'ai vu qu'il y avait un spawner ici. J'ai fait, ah, cool, je vais aller voir. J'ai cassé le spawner. Et j'ai ouvert le coffre et j'ai trouvé un disque de Slipknot. Quand même une bonne chanson. Je vais essayer de vous faire écouter une partie. Tout à l'heure, en espérant pas être copyrighted. Est-ce que Slipknot c'est copyrighted? Est-ce que tu peux te checker vite fait sur YouTube, s'il te plaît, pour moi, Tweetynator? Attends. TweetyGFX qui vient de se joindre à la partie. On va tester ça ensemble, mon bro. Là, j'ai quand même 3 couches. Ah, faudra que je me dépêche à faire un MLG. Lol. Voilà. Fait que, voilà. On va tester ça tout de suite après, les amis, quand j'ai fini de prendre un peu de psy. Parce que, voilà, je suis quand même rendu à pas mal de psy. Je vais finir ce stack-là, je pense. Et puis, je vais aller porter. Ouais, je vais aller porter tout ça. Tout de suite, au quoi, la musique? C'est Slipknot. Je vois pas vraiment bien là. Mais t'es-tu à la base? Ouais. Ok, tiens. Ben tiens, je te donne le CD. Je sais pas, peut-être que toi tu vas voir. J'ai un autre Madame Pavoshko. On pourra vendre Madame Pavoshko au pire. Mais ouais, j'ai quand même non, pas mal mais attends, ferme ton son au pire, je vais checker. Ok, attends. Option. Option. C'est Jukebox, right? Ouais. Fais-le jouer. Non, c'est pas. Ouais. Ça peut être copyright ou pas? Ça, c'est pas Slipknot, hein. C'est quoi? C'est quelque chose de français. Ta gueule. C'est genre hip-hop, genre. Ok, ok. Mets-le au pire, c'est pas grave. Vas-y. Oups. Oups. What the fuck? Non, ça je peux pas, Simon. C'est marqué pourtant slip. Stupid slip. Ah ouais. Mon. Je pensais que c'était Slipknot, ouais, bro. C'est pas bien. J'étais sûr que c'était Slipknot, man. C'est pas bien. Aujourd'hui, ils diront que j'arrive pour le type, que pour le fric.
Fait que voilà les amis, ben, on va se retrouver tout de suite après, à tout de suite. Et salut à toutes et à tous les gamers, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui, un autre jour, là, pour le même épisode dans le fond les amis, mais j'ai un nouveau projet en gros. Je suis en compagnie de Boule pour vous expliquer ce projet. Comment vas-tu Boule? Très bien. Moi aussi ça va très bien, je vais allumer la lumière parce que je suis un petit peu dans le noir, je vais monter un peu le volume. Bon, alors les amis, on se retrouve aujourd'hui pour, en gros, on a réalisé que l'obsidienne était cassable avec un coup de TNT. Or, ça ne servirait à rien de faire, genre 5 couches d'obsidienne, etc. On était voir sur le wiki et on a trouvé que le bloc, le Renforced Stone, c'était Meilleur. le meilleur bloc, dans le fond. Je crois que ça prend un petit peu beaucoup d'obsidienne avant de casser, ça, on sait pas encore. De toute façon, les amis, c'est notre première base, on va bien apprendre si on se la fait piller, on va vraiment Ouais, apprendre à jouer avant, puis. on va s'améliorer. Ouais, exactement, je veux dire, on commence tout comme des noobs, puis après on verra où ce que ça nous mènera, tu sais. Alors pour le moment, Bull, t'as-tu fait les deux couches? Non, je suis en train de faire une couche, là, il va m'en manquer. Ok, il va t'en manquer? Ouais. Moi j'en ai plus non plus, man. Moi, c'est pas Ok. trop. Trop loin de la forme. C'était 5. C'est genre de la cobble. Ouais, c'est ça. La cobble, c'est facile à former. Hein. Pour moi, si c'est fait avec la cobble, pour moi, ça doit être facile à péter, non? Je sais pas, mais. Attends, Au je vais pire, on garde essayer. la couche de psy, puis on l'entoure de. Attends, 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 deux Renforce secondes. ça de. Et c'est le cobble. T'as pas de la poudre de creep? Non. On va faire des tests. Ben ouais, j'aimerais faire un test. Fait que s'il y a quelqu'un qui a de la poudre de creep, non? Mais il n'y a pas l'air d'en avoir trop trop ici. Ok, ouais, au pire, ouais, c'est ce qu'on va faire. On va devant les murailles, puis tout, on va faire une couche de psy. Sauf en dessous. Où ce que t'es en dessous, en gros, faudra aller refaire une couche d'obsidienne. Tu comprends? Ouais. On va recouvrir le psy, comme ça paraît pas trop. T'sais, comme ça, ils pourront péter d'une couche, puis. Je vais prendre la crafto. Il me reste un petit peu de cobalt, mais je n'aurai pas assez pour finir. Moi, il m'en reste pas beaucoup. Au pire, on va farmer puis on pourra le faire après, là. Fais juste 7 ton home là, au pire. Pour le moment. Moi, je te taperai dans la mine. Parce que sinon, ça va être trop Ben mon important. homme il est à mon squelette. Ok. Fait quand tu vois ton home, t'as de l'obsidienne, tout, ok. Ouais. Il n'y en a plus vraiment. Ben il en reste un petit peu, mais pas tant que ça. Je pensais que j'allais faire les amis. Fait que je vais finir ça puis je vais vous montrer qu'est-ce que je vais faire après. Fait que. Oh, attends, je peux faire une TNT. Avec quoi? J'avais pas T'as vu. plus laquelle? Non, mais j'ai de la gunpowder. J'aime pas les éventails, faudra vraiment que je les change. Non, mais j'ai ton tout repas. Et toi, t'as carrément mis mon texture pack. Ouais. Non, on va éliminer. On a mis la cobalt slash. Oh. Il y a encore la Alcatraz. Mais c'est trop easy tout casser, mon gars. C'est ben Comment trop ça? facile. Mais oui, c'est ben trop facile. C'est mieux l'opsi. Mais non, mais moins bien. Ben, les deux ensemble, c'est bien, en fond. Sauf que, regarde, on va laisser la couche du milieu, entre la couche du muraille, on va mettre de l'eau. Comme ça, l'eau, puis le psy. Ouais, comme ça, l'eau, c'est pas prenable. Ouais, je pense que c'est ça qu'on va faire. Ouais, on n'aura pas trop le choix, les amis, hein. Ouais, on n'a pas le choix. Fait que toi, tu vas miner de la stone. Ouais. Great. Great, great, great. Fait que voilà, les amis, j'espère que cet épisode vous a plu. On va se retrouver dans le troisième épisode, dans le fond, les amis, pour la construction de la base avec de l'eau, puis etc., etc., etc. Fait que voilà, les amis, je voulais aussi vous avertir qu'il y a un petit bonus qui est sorti sur ma chaîne bonus. Wow! Il y a un petit peu de temps. Ça doit faire déjà quelques jours. Enfin bon, on est en train de danser. On a fait quelques MLG, etc., sur Alcazia. Alors, je vous invite à aller voir ça, puis vous abonner à ma chaîne bonus si vous voulez rien manquer de mes lives, etc., etc. So, voilà. Ensuite, les amis, comme j'ai dit au début de l'épisode, dites-moi ce que vous voulez comme
rythme d'épisode, puis ben je le ferai. Alors jusqu'à la prochaine les amis, j'espère que vous allez sourire, et puis on se retrouve très bientôt. À la prochaine les amis.